Les Mormons ont abandonné la polygamie en 1890. Mais des communautés polygames se sont formées malgré l'interdit prononcé par l'Église. Ces communautés estiment qu'un homme doit avoir au moins 3 femmes et autant d'enfants que possible. Et que ce principe mène véritablement à la vie éternelle. Harmonie, ma communauté, était fondée sur ce principe. Mes parents et mes grands-parents étaient nés ici. Je suis née ici. Ça va les enfants ? Tout comme mes 5 enfants. Alice, viens voir. C'était l'endroit où nous pensions être chez nous. Bonjour, Mère Babette. Bonjour, Mère Michel. On ne connaissait pas d'autres façons de vivre. On ne connaissait rien d'autre. Moi aussi. Bonjour Judith. Bonjour Aline. C'est pas moi. C'est bientôt prêt. Tiens, regarde. Oui. Oh, quelle magnifique journée. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Comment vont mes chères épouses? Bien, bien. J'espère que vous avez bien dormi. Laisse-moi tranquille. Tu as eu le temps de penser à ce que je t'ai dit? Je continue à prier. Arrête. Chut. Prenez place. Donne-moi ça. Arrête. On va prier, dis-toi. Vivons dans l'amour. Remercions Dieu. Seigneur, notre Père, oui, je vous le dis, le monde sera purifié par le feu. Nous vivons une époque dangereuse où des liens se forment entre le bien et le mal, entre le peuple élu par Dieu et les multitudes pécheresses. Nous ne pouvons pas baisser notre garde. Nous ne pouvons pas divulguer nos secrets. Notre mission à tous est de protéger notre prophète des impies dissidents. Chaque jour, nous devons vivre dans la plénitude des révélations. En tant qu'apôtre de notre Sainte Église, j'ai le plaisir de vous apprendre une bonne nouvelle. Que vos lampes soient prêtes, que vos maisons soient irréprochables. Préparez-vous comme si le Christ lui-même allait nous rendre visite, car notre prophète sera bientôt là. Il arrivera demain. Il nous fera une grande faveur. Il va y avoir de nouveaux mariages permettant à nos familles d'accueillir de nouvelles sœurs. C'est génial. Joseph, dépêche-toi. Savoir que vous venez de fêter vos 14 ans. C'est parfait. Vous allez m'accompagner. Jolie. Regarde-la. Elle est sage. Je dois la réveiller pour la nourrir. Oh, je regrette que maman soit pas là pour la voir. Moi aussi.
En plus, elle a ses yeux. Mm-hmm. On va la baptiser samedi. Tu seras là? Bien sûr. Bonjour, Jimmy. Regarde. Bonjour. On dirait un chat qui a trouvé un bol de lait. Ça va? Oui, t'as aimé le sermon? Oui. Tu t'inquiètes? J'en ai parlé avec le père Josiah. Comme d'habitude. Dans ce cas, tu seras bientôt fixé. Il s'en remettra s'ils ne peuvent pas se marier. Elle tournera la page, tu verras. On m'attend. Allez, les enfants, on y va. Oh, oh, oh. Mes pieds. Viens, salut. On se reverra. Mary Lou, il a faim. Mais j'ai pas assez de lait. Non, 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 non. Sœur Mabel ne peut pas s'occuper de ton enfant. Il faut déjà qu'elle s'occupe du sien. Oui, mère Earline. Encore une fois, je ne suis plus ta mère, mais ta sœur. Et toi, tu es une femme maintenant, plus un bébé, alors agis comme telle. Ça doit être terrible de ne pas avoir de nouveau-né. Moi, je mourrais de honte si je n'avais que 5 enfants. Justement, c'est son tour de procréer. Très observateur. Alors, je suppose que tu vas voir le père Josiah ce soir. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de te voir. Si jamais mère Earline nous surprenait, tu peux pas rester là. Tu crois qu'un jour ça nous arrivera? De faire sécher les draps. Mais on fait sécher les draps. Nos draps. Je prie beaucoup pour nous. On t'a donné une seule petite tâche simple à accomplir et on se retrouve avec 9 poulets grillés. 9. Tu as détruit ce que le Seigneur nous a offert dans sa bonté. Tiens, ne reste pas planté là. Rends-toi utile, Dieu. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Jamie. Moi aussi, je prie pour nous. Allez! Dépêche-toi! Sinon, c'est à moi de jouer maintenant. J'ai de la chance. Tu es magnifique. Tu m'as manqué. Viens t'asseoir près de moi. Dis-moi ce qui te préoccupe. Défais tes cheveux pour moi. Jimmy est encore jeune. Oui, seulement je sais qu'il travaille dur. Il reverse beaucoup d'argent à l'église. Tu veux que je t'aide? Judith, si jamais ça sert l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur, ils pourront se marier. Je t'ai dit que j'en parlerai au prophète. Oui. Arrive bientôt. Harmonie n'est plus très loin. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Frère Thomas, ils sont au complet? Oui. Tous les hommes sont là. Bon. Edward Martin, lève-toi. Le Seigneur m'a révélé tes péchés. Tu as douté de notre prophète. Tu as abusé de la loyauté de tes fils. Tu as failli à ton devoir de faire régner l'ordre parmi tes femmes. De notre obéissance dépend notre salut et tu as failli à ton devoir d'obéissance. Tes femmes te sont retirées. Tes enfants te sont retirés. Ta dignité de prêtre de notre église t'est retirée. Te voici plus bas que terre. Rassemble tes affaires et va-t'en.
George Combs, lève-toi. Le Seigneur m'a révélé ton péché. Tu as déshonoré ta fonction de prêtre en initiant une enfant en dehors des liens du mariage. Te voici plus bas que terre. Quand tu fais naufrage dans les flots de la vie, tu te décourages, crois que tout est fini. Vois les dons de Dieu, nomme-les sur le champ. Tu n'en croiras pas tes yeux tant ils sont grands. Travaille dur, toi. Mère Orline veut qu'on fasse tout briller, même le sol. Et moi qui sème des bouts de bois un peu partout. Je devrais faire attention. C'est pas grave, je nettoierai. Tu feras une excellente épouse plus tard. Bienvenue, prophète. Je suis heureux de vous voir, Josiah. Et moi donc, monsieur. Notre communauté s'est agrandie et a prospéré. Nous sommes bénis. Quel beau sourire. Ce sera une charmante épouse. Je crois, oui. Soyez la bienvenue. Vous vous plairez ici. Le pôle bâtiment est en pleine expansion. Quant à nos entreprises, les ventes ont encore battu des records. Très bien. Mais du coup, la curiosité se fait plus insistante. Je ne compte plus les impies qui rêvent de détruire notre église. Je voudrais vous confier une chose, en toute discrétion. Nous avons des ennemis partout, malheureusement. Le peuple élu doit confier son destin à un chef déterminé. Personne ne l'est plus que vous, monsieur. Peut-être, mais je dois vous dire la vérité. Je ne vais pas bien. Je vais bientôt nommer un successeur. Notre peuple a besoin de quelqu'un qui continue mon œuvre. Si vous avez besoin de mon aide, je suis à vos ordres. Faites-moi signe. Je le ferai. Il y a une petite chose dont j'aimerais vous parler. De quoi s'agit-il? De ma belle-fille, Charlotte. Elle souhaite se marier. Parlez-moi d'elle. Bien, elle a 16 ans. C'est une belle fille. Ravissante. Et le prétendant, quel âge a-t-il? 1 an de plus. Vous savez bien qu'il faut à nos jeunes filles des hommes d'âge mûr qui soient leurs maîtres. Enfin. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Que je peux avoir mal au ventre. Et si je ne lui convenais pas? Mais non, le prophète l'a choisi pour toi. Je regrette que ma mère ne soit pas là. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Voilà, ça devrait tenir. Tu es une très belle mariée. Le prophète t'a parlé? Il t'a dit pourquoi? Je suis trop jeune pour me marier. Qu'est-ce qu'on va faire? Sœur Pearl, en tant que première épouse, prenez la main de Sœur Faye et placez-la dans celle du père Thomas. Pour suivre ainsi l'exemple de Sarah. Père Thomas, acceptez-vous de prendre Sœur Faye pour légitime épouse pour le temps présent et pour l'éternité, dans le respect des règles de la Nouvelle Alliance? Oui. Vous êtes ainsi scellé à cette... Salut. Le premier mariage a commencé.
Je finissais mes prières. Un jour, dans 2 ou 3 ans, ce sera ton tour de te marier. Tu dois te demander comment on fait pour être une bonne épouse. Et si tu te développes correctement. Tu dois savoir que la plupart des filles ont quelqu'un qui le vérifie pour elles. Ah bon ? En secret. Et comme disent nos pères, on doit garder un secret comme si Dieu lui-même nous l'avait dit. Si tu veux, je peux le vérifier tout de suite. Mais ça dure même pas 1 minute. Sœur Faye, acceptez-vous de prendre le père Thomas pour légitime époux et de lui jurer fidélité pour le temps présent et pour l'éternité, de suivre tous les rites, règles, devant les anges et tous ses témoins rassemblés, et de le faire librement et sans contrainte? Oui. Je vous déclare unis par le mariage. Traîner. Fructifier et multiplier. Allez dans la joie et peupler la terre, tous les deux. Oh chérie, est-ce que ça va? Manger mal. Je sais, chérie. Excuse-moi. Ne t'excuse pas, tu n'as pas à t'excuser. C'est une fracture sérieuse. Elle va devoir porter un plâtre 6 semaines au moins. J'ai aussi relevé de nombreux hématomes sur son corps. Vous dites que votre fille est tombée, mais ce type de fracture ne survient qu'après une torsion de l'os. Peut-être qu'en tombant, elle s'est tordue le bras. Peut-être. Si vous ne m'expliquez pas ce qui est arrivé, je ne peux pas vous aider. Je vais devoir faire un signalement auprès des services de protection de l'enfance. Ils prendront bientôt contact avec vous. Quant à toi, ma belle, je vais te faire ton plâtre. C'est quoi ta couleur préférée? Vous avez du violet? Oh oui, bien sûr. C'est le violet, sa couleur préférée. Elle adore le lilas en fleurs. Très bien. De même qu'Adam fut tenté par Ève, nombreux sont les jeunes hommes de notre communauté tentés par le péché de chair. Cela arrive souvent, trop souvent. En tombant dans ce piège, ils font du mal à de très jeunes filles. Ce qui interfère avec notre œuvre. Alors, comment résout-on ce problème? On a recours à notre prophète. Oui, exactement. Je veux que chacun de vous prie, et vite. Je veux que vous priez pour notre prophète qui trouvera la meilleure solution. Tu as fait ce qu'il fallait. Je peux dormir avec toi cette nuit? Bien sûr. Ça va? Tant mieux. C'est odieux. Blesser un petit oiseau. Vous êtes une bonne mère. Oui, mais il y a des moments où je ne peux rien pour mes filles. Oui, je sais. Ah, te voilà. Il faut que je te parle au sujet d'Alice. Erline dit qu'elle va bien. Non, elle ne va pas bien. C'est juste un bras cassé. J'ai dû mentir au médecin. Ce médecin est peut-être un peu trop curieux. Qu'est-ce qui a été décidé en ce qui concerne son agresseur?
C'est toi qui es trop curieuse maintenant. Alice, c'est ta fille. Laisse-moi m'occuper de ça. Tu sais bien que j'ai toujours fait face à mes responsabilités. Je t'apprends à conduire si tu veux. Mm-hmm. Ouais. Oui. D'accord. Super. Va. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue voir les parents d'Alice. Je dois leur parler au sujet de leur fille. Ce ne sera pas nécessaire. Laissez, je m'en occupe. Bien, monsieur. Bonjour, je suis Josiah Levitt, le père d'Alice. Et je dois vous voir au sujet de ce qui est arrivé à votre fille. Oh, elle jouait comme tous les enfants. Elle s'est fait un peu mal. Elle a sauté d'une balle de foin dans la grange. Elle jouait? Ouais, c'est un peu ce que font toutes les filles de 12 ans. J'ai l'impression, en lisant moi, le signalement, j'ai l'impression qui nous a été... que notre discussion est terminée. Vous connaissez le chemin. Je vais t'attraper. Je suis la mère d'Alice. Vous avez été témoin. J'ai empêché un de vos frères de... J'ai besoin d'un nom de famille. Je suis désolée. Si je n'ai pas de nom de famille, je ne peux rien faire. Ça ne va pas s'arrêter là. Tu peux entrer. Mère, ma belle a dit que tu voulais me voir. Approche-toi. Tu réalises la portée de tes actes. Je t'avais promis de faire quelque chose, mais tu as préféré faire appel à nos ennemis. Me poignarder dans le dos. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Tu m'as trahi. Je suis désolée. Désolée? Tu es désolée? C'est ma fille, Josiah. C'est aussi la tienne. Tu as toujours été celle que j'aimais le plus. Ma préférée. Mais aujourd'hui, tu n'es plus rien. Va-t'en. Samedi, tu devrais avoir honte. Prenez garde à la femme, incapable de garder les secrets de notre Église. Incapable d'obéir et de se soumettre aux décisions de son mari. Tolérer la menace qu'elle représente, c'est jouer avec le feu de l'enfer. Lève-toi, mauvaise femme. Oui, elle a l'air tellement tranquille. Mais ne vous laissez pas tromper, enfant, car la rébellion est en elle. Cette femme a trahi notre communauté. Elle a trahi notre bien-aimé prophète. Elle a trahi Dieu Tout-Puissant en ayant conspiré contre nous avec les gentils. Comme Abraham a sacrifié Isaac, le fruit de ses entrailles, je dois moi aussi me défaire de ce que j'ai de plus précieux pour toujours. Va-t'en. Prends tes enfants et pars en exil. Prie. Réfléchis à cela et à tous tes péchés. Tant que tu n'auras pas fait acte de repentance, nous ne te connaîtrons plus.
tous notre livre de cantiques, à la page 72. C'est juste pour un petit moment. On va faire le ménage. Je comprends pas. Pourquoi Père nous a chassés? Il est en colère. Pourquoi? C'est entre ton père et moi. Quand il aura retrouvé son calme, j'irai lui parler. Tu dois absolument te faire pardonner. L'argent de ma couture. Prends-le. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai beaucoup hésité avant de venir. Mais tu ne m'aurais jamais pardonné. Quoi? Le prophète a eu une révélation. Dieu lui a montré la voie. La seule façon de protéger les très jeunes filles, c'est de les marier tout de suite. Il va en ramener quelques-unes avec lui demain. L'une d'entre elles sera ta fille, Alice. Mais ce n'est pas possible, elle a 12 ans. Ce jour-là, dans la grange, tu avais 12 ans aussi. J'ai essayé de les arrêter. Tu as essayé, mais je n'ai rien pu faire pour toi. Mais tu as tout fait pour les arrêter. Je le sais. Qu'est-ce qu'on va devenir?
va? Je ne sais pas. Et je sais qu'on ne reviendra pas. Ils sont tous sortis. Dites-moi où elle est. Sa mère s'est enfuie avec elle, mais je la trouverai. T'en fais pas. Enfuie où? Je ne sais pas, monsieur. Vous avez besoin d'aide pour la reprendre en main? Non, parfait. Non. Reculez! Tu as soif? Pourquoi on s'en va? On s'en va, point, on ne reviendra pas. Je reviens tout de suite. Charlotte, où tu vas? Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux revenir chez dans la voiture. On va où? Dans ces bureaux, il y a des gens qui pourront nous aider. Je veux pas aller là-dedans. Je suis sûre qu'il y a des gentils. Tu dois nous ramener. Ne discute pas, compris? Ça fait des heures qu'on est là. J'ai peur, maman. Je sais, chérie. Je veux rentrer à la maison. Je sais. Moi aussi, maman. Tiens, Michael, une seconde. Si tu descends la 403, tu prends la sortie de Main Street, ensuite tu vas en direction de l'Est et... Une minute. Attendez qu'on appelle votre numéro. Charlotte Elizabeth Joseph, Mark Joseph Levitt, Alice Motley Levitt, Kate Edith Levitt, Michael Deloy Levitt. Nous venons d'Harmonie. Mon époux a 8 femmes et 48 autres enfants. Et nous avons eu un incendie. Je vois. Tu m'excuses, faut que je te mette en attente. Je vais chercher ma responsable. Ça, c'est pour vous procurer des vêtements et de quoi manger. Étant donné ce que vous m'avez dit, on peut obtenir une ordonnance pour interdire au père d'approcher de ses enfants avec application immédiate. Est-ce que votre épouse sait où vous êtes? Non. Eh bien, on va vous trouver un logement le temps que votre situation s'améliore. Vous allez tenir le coup. Oui. Vous devez vous assurer que ni vos enfants ni vous n'aurez de contact avec une personne qui puisse dire à votre époux où vous êtes. Je vous donne un téléphone portable. Si vous avez le moindre problème, vous appelez la police, d'accord? D'accord. Et voici des bons d'achat. Vous pourrez acheter des fournitures pour l'école. L'école? Vos enfants doivent aller à l'école. Maintenant, tout de suite? Bien sûr, l'école est obligatoire. Vous avez de beaux enfants. Je voulais seulement partir. Je n'avais pas pensé à cet aspect des choses. Ce changement de vie total. Ça, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est le nom du propriétaire. Notre église. Il y avait des meubles. Qui est-ce qui vivait là? Personne. Personne? Vous avez vu l'état dans lequel était cette maison? Non. On n'aurait jamais mis quelqu'un là-dedans. Ah, excusez-moi une minute. Oui? C'est bon, c'est réglé. On se connaît depuis longtemps. Il dira que c'est un accident.
Tu crois que c'en était un? En tout cas, ça y ressemble, ce qui nous arrange. Il s'en va. Vous partez déjà? Oui, nous avons une longue route à faire. J'espère que vous ferez bon voyage. Je prierai pour vous, monsieur. Moi aussi, je prierai pour vous. Il ne s'est pas prononcé en ta faveur. C'est à cause d'elle. Surtout, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de poser une question, appelez Rouf. C'est une femme extraordinaire. Merci, c'est rien. Au revoir. Pardon. Oui. C'est quoi son histoire? Mormone. Incendie. Ah. Ils nous ont donné une nouvelle maison et de l'argent pour des vêtements et de la nourriture. Vous verrez, la nouvelle maison sera beaucoup mieux que l'ancienne. Maintenant, on va aller faire des courses. On va acheter des provisions et ensuite, on préparera le dîner. Et au dessert, vous aurez peut-être droit à des glaces. Oh oui. Oh. Charlotte, il faut que tu m'aides. Viens, on y va. Regarde, elle est toute nue. Mmh. Je veux garder mes sous-vêtements. Ils me servent de protection contre l'esprit du mal. Je sais, chérie, mais tu n'es pas forcée de les enlever. Tu peux mettre cela par-dessus les tiens. Venez. T'es où? Roule-toi, je t'attends. C'est quoi ça? Oh, tu peux regarder. Je ne sais pas qui écrit ce genre de canard. Non. Le directeur est demandé. Alors, quel âge tu as, mon grand? 5 ans. Waouh! Ne dites pas qu'ils sont tous à vous? Si. Oh, moi qui croyais qu'avec 2, c'était le bout du monde. Voilà. Ça fait 70 dollars, 22. Excusez-moi, je vais pas prendre ça. Et je pense que vous pourriez utiliser ce coupon de réduction. Oui, c'est bon, il est valable. Ça marche. Merci. Je vous en prie. Bon, je vous emballe tout ça. C'est écrit route du grand campement. On va où, maman? À notre nouvelle maison. C'est quel numéro? C'est le 35. Charlotte, s'il te plaît. On y est. C'est là? Charlotte, s'il te plaît. Maman, tu crois qu'on va nous chasser dans les ténèbres? Oh, chérie, si je le croyais, on ne serait jamais partis. Tu peux encore prier? Bien sûr, ma puce. Je reviens tout de suite. Chérie, on s'en sortira pas toutes les deux si on ne se parle plus. C'est toi qui as provoqué l'incendie? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait tomber une lampe. Je te crois pas. Le prophète allait emmener ta sœur. Elle a à peine 12 ans. Mais pourquoi il la laisserait se marier? Ils veulent pas que je me marie avec Jenny et j'ai 16 ans. Oh, chérie. Arrête! Arrête de dire ça! Alice? Alice! C'est pas Alice, moi qui l'ai dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Alice!
Alice! Tout le monde me déteste maintenant. Non, tu te trompes. Marc, si. Non, tu te trompes. Mais il a dit que tout était de ma faute à cause de ce qui s'est passé. Rien n'est de ta faute. Tu vois toutes ces belles étoiles? Chacune porte un nom. C'est vrai? Mm-hmm. Comment elles s'appellent? Je sais pas. Pourquoi? Je suis pas allée au-delà de la cinquième. T'aurais voulu continuer? Oui. Et moi, je pourrais? Oui. Ben, quand je les saurai, je pourrai te les apprendre. Chérie, tu rentres, s'il te plaît. Madame Joseph? Oui. Je suis l'agent Wayne Amesbury. Il y a un problème? On nous a signalé par radio que le propriétaire de ce véhicule avait porté plainte pour vol. Mais je ne l'ai pas volé. Josiah Levitt, c'est votre mari. Vous n'aurez jamais appelé la police. Peut-être que ce n'est pas son véhicule qui l'intéresse, mais connaître l'endroit exact où vous habitez. Vous comprenez? D'accord. Alors, je ne vais pas faire de rapport sur ce véhicule. Mais je vous conseille d'être prudente. Si quelqu'un d'autre repère cette plaque, vous risquez d'avoir des ennuis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu vas rater le bus pour l'école. Chérie, tu peux pas passer toutes tes journées au lit. C'est vraiment pas sérieux. Il est là. C'est joli, les cheveux courts. Oh, merci, chérie. Faut qu'on y aille.
chez Alice. Ils vont à l'école. Tu penses qu'on va les revoir? Mais bien sûr, mon ange. Vous vous rappelez de moi? Je travaille à la supérette. Je m'appelle Louise. Ah oui. Bonjour. Voilà. Les nouvelles vont vite dans cette petite ville. Je me suis dit que je pouvais rassembler quelques affaires et vous les apporter. Ah, merci beaucoup. Ce sont des vêtements qui ont appartenu à mes enfants pour la plupart. C'est fou comme la maison me paraît vide sans eux. Si vous n'êtes pas trop occupée, on pourrait prendre un thé. J'ai mis une théière dedans. J'ai pas le temps, je suis désolée. Ah, vous êtes occupée. En fait, j'étais en train de lire les petites annonces pour trouver un emploi. Oh, c'est bien, vous avez raison. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil d'avoir pensé à nous. C'est tout naturel. Il n'y a pas mieux. Où est passée ma maman? Enfin, je veux dire, ma sœur. Non, ma mère. Oh, tu vas la fermer. Ferme-la. Ça va arrêter. Laisse-le tranquille. Arrête. Tu te souviens de la caissière de la supérette où on a fait nos courses? Elle a apporté des vêtements. Peut-être qu'il y en a qui te plairaient. La caissière est très gentille. Tu aimerais manger quelque chose? Allô? Oui. Il va bien? Oui, j'arrive tout de suite. Bon, on m'attend à l'école. Comme tu voudras, mais tu pourras pas passer ta vie dans cette chambre. Je sais que la transition est difficile et nous voulons vraiment vous aider à passer le cap, mais la violence est inacceptable. Je suis d'accord avec vous. Vous devez être très clair avec lui là-dessus. Quant à son test d'aptitude... Il a passé un test. Oui, afin de déterminer son niveau et celui de votre fille. Elle s'en est plutôt bien sortie, mais votre fils, est-ce qu'il est allé à l'école dans votre communauté? Jusqu'en première année de collège, je crois. Jusqu'au moment où il a dû travailler. Ah, ça explique pourquoi il a beaucoup de retard. Il est obligé de redoubler une classe? Deux classes. Oh, ben dis donc. Ça m'a l'air sérieux. Ça t'était déjà arrivé de te battre? Oui. Ah, mais là, c'était pas de la rigolade, hein? Mon père est l'un des conseillers de notre prophète. Ah, alors les autres te laissaient tranquille. Il va falloir que tu serres les dents ici, du moins pendant les premiers temps, on le sait tous les deux. Alors tu baisses la tête? Et puis un jour, tu la relèveras, et là, tu t'apercevras que tu sais te débrouiller, que tu as deux, trois copains, et que tu es plus le nouveau. Ça va prendre combien de temps? Pas très longtemps, tu peux me croire. Oh, il faut mettre de la glace dessus. Bonjour. Ah, bonjour. Il faudrait que je vous parle une seconde. D'accord. Tu vas m'attendre dans la voiture? Il est bien, ce gosse. Merci. J'ai... deux petits gars qui ont à peu près le même âge que lui. Ils vivent avec leur mère à l'est de la ville. Mais je pense que... enfin, je sais ce que c'est. L'ordonnance du tribunal. On vient de me la remettre. Alors... ah. Si jamais votre mari s'approche de vos enfants, vous m'appelez immédiatement. Je vous remercie. Je vous en prie. Un nouveau look? Ah, j'avais envie de changement. C'est réussi. Mon fils m'attend. Oui. Thank you.
moi, Charlotte. Salut. Dis-moi, je peux emprunter ton pick-up quelques jours? Non, j'en ai besoin. Juste pour 24 heures. Trop de travail en ce moment, je suis désolé. Pourquoi t'en as besoin? Tu veux aller loin? Non, je vais aller voir un copain, c'est tout. Je peux pas te le prêter, il me faut tous mes véhicules. Excepté celui qui est en panne. Si tu le répares, il est à toi. Jeune. Bonjour. Ah, salut. Comment ça va? Ouais, ça va. C'est votre recherche d'emploi? Oh, rien de concret pour l'instant, quoi. Vous avez même pas eu un rendez-vous? Non, pas encore. Il faut dire que j'ai jamais travaillé. Maman, tu peux nous l'acheter, s'il te plaît. La prochaine fois qu'on vous reproche d'avoir été mère au foyer, dites qu'il n'y a pas de meilleure école pour apprendre à devenir polyvalente. Oh, mais vous voulez pas travailler ici? On a une des filles qui doit s'en aller. Je peux parler au directeur, si vous voulez. Oui, d'accord. Ça marche, merci. On derrière. Maman. Salut les enfants. Salut. Salut. Au revoir. En maths, on a commencé à voir les triangles. L'hypoténuse. L'hypoténuse? J'ai su les dessiner. Les triangles, tout est devenu logique. Je suis contente pour toi. Ah oui, tiens, devine. J'ai un emploi. C'est vrai? Mm-hmm. À la supérette. Fais de beaux rêves, mon ange. Maman, mmh? J'adore l'école. Tu vas quelque part? Non, je répare le pick-up de mon frère. Ah oui. Et tu ne comptes pas faire un petit voyage avec? Je vous l'aurais dit de toute manière. Je voulais seulement la ramener moi-même, monsieur. Enfin, je veux dire Charlotte, parce que j'espère l'épouser un jour. Mais je vous l'aurais dit, je vous le jure. D'habitude, quand un homme veut se marier, il se distingue par une conduite exemplaire. Oui, je sais, monsieur, j'avoue. Je n'ai pas été tout à fait honnête. J'implore votre indulgence. Tu mesures la profondeur de ton égarement? Oui, monsieur, parfaitement. Tu as gravement offensé Dieu. Oui, je sais, monsieur. Comment punir une chose pareille? Ça fait toujours cet effet, le café? Oh, moi, ça ne me fait plus rien. Ah bon? Non, non, je t'assure. Peut-être au début, bien sûr. Quand mon mari est parti, il a fallu tout gérer. Et des fois, fallait pas s'endormir. Mon premier mari et moi, on a divorcé. C'était le père de Charlotte. Vous avez le droit? On voulait pas le faire, parce qu'on s'aimait réellement tous les deux, mais il a été forcé de partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon eux, c'était pas un bon croyant. Même s'il croyait en Dieu, c'était pas le leur. Il a été chassé de notre communauté. Et le lendemain, on m'a scellée, enfin mariée au père Josiah. Oh, c'est affreux.
Deux ans plus tard environ, j'ai appris qu'il était décédé. Il a préféré en finir. Oh, je suis vraiment désolée. Il vaut mieux que je boive plus de café, ça me donne mal au cœur. Alors comme ça, t'avais jamais bu de boisson à base de caféine? Si, le soda qu'on nous vend partout. T'avais ça? Mmh. Ça valait la peine de mort. Ah, oh, c'est le bus qui vient de l'école. C'est mon mari. Appelle la police, dis-leur qu'il n'a pas le droit de s'approcher des enfants. Vous, vous restez avec Louise, compris? Et vous ne sortez pas, je ne veux pas vous voir dehors sous aucun prétexte, c'est clair? Jamie! Jamie! Restez là, ne vous approchez pas! Tu as déjà l'air d'une courtisane. Il s'agit de mes enfants, arrachés au foyer qui leur convient. Quant à ces jeunes gens, ils veulent se marier et j'y veillerai. Ne l'écoute pas, Charlotte. Il dit ça pour que tu reviennes. Tu me manques, fils. Ne t'approche pas de lui. Je veux te voir à ta vraie place, parmi les prêtres. Tu ne peux pas faire ça. Alice, j'aimais t'entendre chanter. Le diable peut avoir le plus doux des sourires, prendre tous les visages. C'est toi qui as mêlé Belzébuth à nos affaires. Ça se retournera contre toi. J'ose y aller vite? C'est lui. Nous venons faire respecter une ordonnance du tribunal. Attendez, attendez une seconde, vous allez voir. Il n'y a rien de compliqué. Ma fille, Charlotte, et mon fils, Marc, veulent rentrer chez eux, c'est tout. Reculez, vous n'êtes pas autorisé à approcher de ces enfants à moins de 500 mètres. Non. Oh. Mais Charlotte n'est plus une enfant. Elle a 16 ans. C'est la vérité, chérie. Elle peut aller où elle veut. Je ne suis pas profane en matière de loi. Elle doit rester là. Je veux rentrer chez moi. Elle est assez grande pour avoir son libre arbitre. Va chercher tes affaires. Navré, mon fils. Ces hommes se croient tout permis. Même de se mêler de ce qui ne les regarde pas. On va attendre dans le pick-up. Au fait, Judith, toi et moi... C'est pas fini. Venez, on rentre. Chérie, ne fais pas ça, c'est une grave erreur. Non, pas du tout. Le père Josiah ne veut pas ton bonheur. Ah, parce que toi, tu le veux. Je comprends pas. Tu allais me garder ici pour toujours, alors que je veux épouser Jamie. Il ne vous laissera pas le faire. Sincèrement désolé. Maintenant que votre mari sait où vous habitez, vous devez absolument déménager. D'accord? Allez, entrez les jeunes. Mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Bon, n'ayez pas peur. Allez, soyez pas timide, entrez. Allez, mon petit chat, entre, t'inquiète pas. Pourquoi vous ne commencez pas par vous débarrasser de vos affaires dans le salon? Après, on verra où vous allez dormir. D'accord? Oh, on restera pas longtemps. Les services sociaux vont vite nous reloger. C'est bon, arrête. Cette maison est trop grande pour moi, de toute façon. Merci. Ça y est, comment ils vont? Un peu déboussolés, mais ils vont reprendre le dessus. Tu veux que je prépare du café? Ah, oh, chérie, si tu bois du café à cette heure-là, tu es sûre de ne pas dormir de la nuit. Arrête de t'agiter, on verra ça demain. Pour l'instant, assieds-toi et détends-toi. C'est une belle maison. Il y a plein de jolies choses. Ah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. C'est moi la déesse de la déco. Thank you.
Tu as fait tout ce qu'il était possible de faire. J'espère que tu en as conscience. Je me demande seulement si je la reverrai. Bon, j'explique. Tu poses tous les articles ici. Imaginons que le client ne veuille pas les chips. Tu appuies sur le bouton effacer. Voilà, là, sur ta caisse. Voilà. Ensuite, tu prends ton lecteur optique et tu passes sur le code-barre. Voilà, c'est ça. Chérie, arrête de te faire un sang d'encre pour Kate et Michael. Ils vont s'éclater à la garderie et tu les retrouveras à 17h tapant. C'est à Charlotte que je pensais. Elle aurait fini par prendre son envol. Même pied et poings liés. Allez, bonne chance. Tu vas assurer. Je peux prendre un message? Où est-ce que tu es? Non, ne dis rien, je ne veux pas mentir. Comment va Charlotte? Essaie de lui parler un peu. Promis. Il me voue une véritable haine. Il peut très bien se venger sur elle. Le prophète va venir aujourd'hui? Cet après-midi. Et Charlotte? Elle va vraiment épouser Jamie Coyle? Tu en poses des questions? C'est quand même bizarre. Il est jeune. Il est jeune. Avant le petit déjeuner, on pourrait... Je peux pas. Je suis de nouveau enceinte. Bien joué. Envoie Faye à ta place. Oui. Si c'était toi que Charlotte épousait, tu me le dirais? Oui, évidemment. Si ce n'est pas toi, et si ce n'est pas le jeune Coyle, qui est-ce? Tu ne dois en parler à personne. Ça fait une éternité que j'ai pas vu cette robe. Je vais la prendre. Ta mère a porté cette robe. Ah oui. Il doit te manquer, non? Il fallait que je revienne. Tu crois que je la reverrai un jour? Eh bien, ça dépendra du père Josiah. Charlotte. C'est pas grave. Tu seras magnifique dans cette robe. Va vite essayer. Allô? Judith? C'est moi. Je t'appelle au sujet de Charlotte. Ils vont la marier à son beau-père. Désolée, madame, l'agent Exbury n'est pas disponible. Je peux le rappeler? C'est son jour de congé. Je voudrais lui laisser mon numéro, si c'était possible. Moi, je reviens très vite. Et vous, vous continuez à vous entraider, compris? On s'en sage, tu peux compter sur nous. Merci, chérie. Allez. Si vous alliez m'attendre dans la voiture, j'aimerais parler à votre mère. D'accord? Qu'est-ce qu'ils sont mignons. T'as réussi à avoir Wayne? C'est son jour de congé. Ils vont l'appeler, j'espère. Non, ils vont juste lui donner mon message. Et puis, même si je l'avais eu, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Rassure-moi, tu vas pas y aller toute seule. Je demanderai de l'aide à la police du coin. Fais pas cette tête, ça va bien se passer. D'accord. Sois prudente, surtout. C'est de la folie. Ça va bien se passer. D'accord. Allez, les affreux, c'est parti pour l'école. Mettez vos ceintures.
Jamie, tu sais que ça porte malheur? Je ne suis pas superstitieux. On t'a pas vu, j'espère. Arrête d'angoisser. Tu es super belle. C'est vrai. J'ai peur que tu disparaisses. Et à part ça, t'es pas superstitieux. Vaudrait mieux que j'aille m'habiller. Bon, à tout à l'heure, Madame Coyle. Mais le service de protection de l'enfance... Ils ne peuvent rien faire. Eh bien, nous, c'est un peu pareil. Les mariages que vous organisez ne sont pas des cérémonies légales. C'est un peu comme si vous me demandiez d'arrêter un barbecue organisé par l'église. Sauf que ma fille de 16 ans va devoir épouser un homme qu'elle n'a pas choisi. Si c'est elle qui vient nous voir, on pourra intervenir. Ce sera trop tard. Je suis désolé. Vraiment, madame, je vous conseille pas d'y retourner. Oui, pourquoi s'en faire? Après tout, ce n'est qu'un simple barbecue. Je vous cherche partout depuis une heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est Judith, elle a besoin de votre aide. Ma voiture est là-bas. C'est encore loin? On y est presque, monsieur. Salut. Avec les copains, on s'est dit qu'on pourrait... y aller tous ensemble. J'ai pas fini de me préparer. C'est pas grave, on va attendre. J'apporte la robe de Charlotte. Oh, elle est en train de prendre un bain. Je pensais que je pourrais l'aider à s'habiller. Je t'accompagne. Je croyais qu'on devait passer chez ton père. T'as pas encore parlé de la petite tradition le jour du mariage? Cette tradition, elle consiste en quoi? Tu as retenu des informations au lieu de les communiquer au père Josia, notre guide. Tu as péché. Reviens et on s'occupe de toi pour de bon. Et voilà. Tu es ravissante. Merci. Elle doit savoir ce qui l'attend. Comment ça? Elle pourrait être bouleversée en le découvrant par elle-même. Dites-moi. Dieu te fait une faveur. Tu vas épouser ton beau-père, notre guide à tous et à toutes. Tu vas devenir la 9e femme du père Josiah Levitt. Je refuse. Je l'épouserai pas. Mais tu n'as pas le choix. Où est Jamie? Il a fui. Il a préféré partir.
Il ferait jamais ça. Il m'aime depuis toujours. Le père Lévite est un homme très puissant. Ce sera peut-être le nouveau prophète. Je m'en fiche. Allez, je veux pas y aller. Non, je veux pas y aller. Tu ne dois pas désobéir, comme l'a fait ta mère. Elle avait raison, ma mère, lâchez-moi. Oh, qu'est-ce que tu attends pour m'aider? Laisse-lui une minute. Jamie ne m'abandonnera jamais. Jamais. Je vais vous demander de nous laisser seuls un moment. Me laisse pas, je t'en prie. Allons, allons. Qu'est-ce que ça, une nouvelle femme, un nouveau départ. Il semble que vous ayez remis de l'ordre dans votre maison. C'est exact, monsieur. Bravo. J'en suis heureux. L'avenir est à vous. Le peuple a besoin de vous. La mariée. Sœur Earline, en tant que première épouse, prenez la main de Sœur Charlotte et placez-la dans celle du Père Josiah pour suivre ainsi l'exemple de Sarah. Père Josiah, acceptez-vous de prendre Sœur Charlotte pour légitime épouse pour le temps présent et pour l'éternité dans le respect de la nouvelle alliance? Oui, j'accepte. Laissez-moi passer. C'est ma fille. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Restez tranquille. Laissez-moi passer. Maman. Laisse-la partir. Elle est revenue de son propre chef. Ça ne te regarde pas de toute manière. Laissez ma mère tranquille, je vous en prie. Ne me touche pas. Tu n'es qu'un homme, Josiah. Et non un dieu. Tu ne peux pas décider de la destinée de tous ces êtres humains. Nos enfants ne t'appartiennent pas et moi non plus je ne t'appartiens pas. Charlotte, attends. Jamie! Vous êtes sur une propriété privée. Ce jeune homme a été victime d'une agression. Je suppose que vous ne connaissez pas les coupables. S'il s'agit de membres de notre église, ils seront punis. Pour l'instant, veuillez quitter les lieux. Je ne le ferai pas sans Madame Joseph et sa fille, monsieur. Il est clair que vous la retenez ici contre son gré. La police locale va bientôt arriver. Vous ne comptez pas l'emmener de force devant la police. C'est votre femme. Vous n'avez pas réussi à la guider. Laissez-la s'en aller. Ici, personne n'est retenu contre son gré. Nous avons choisi notre manière d'honorer Dieu. Nous avons choisi de marcher sur le chemin de la vertu. Nous avons choisi de vivre en accord avec la sainte doctrine du mariage céleste. Pardon. Ne t'en fais pas, ça va aller maintenant. Rentrons chez nous. Une fois partie, je ne reviendrai plus jamais. Mais ma sœur et ses enfants sont toujours là-bas, dans ce monde où les filles sont élevées dans la soumission
et mariées à des hommes qu'elles n'ont pas choisis. Un monde si éloigné de la liberté.